Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis nous allons découvrir Stand of Two. Alors en toute honnêteté Stand of Two c'est une vidéo découverte sur ma chaîne mais ce jeu j'y ai déjà joué. Voilà, j'ai déjà joué il y a bien un bout de temps facile, un an je pense. Mais j'avais arrêté et j'avais décidé de pas vous le présenter parce qu'il était bardé de pub. Il y avait trop de bugs, enfin c'était pas un jeu que je pouvais vous présenter et je me voyais pas vous le présenter. Voilà, tout simplement c'était la période de Brawl Stars, je me voyais pas vous le présenter, tout ce que j'attendais. Et j'ai cru apercevoir ce matin, en y jouant, qu'il y avait quelque chose qui allait pouvoir nous intéresser. Et c'est ce qu'on va aller voir en vidéo. Donc les potes, avant que la vidéo commence, surtout n'oubliez pas la petite pouce bleu. Et bien sûr, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc les potes, nous voilà directement dans l'interface de Stand Off. Donc là vous pouvez voir un peu mon profil du coup, les nombres de matchs joués, la précision, le pourcentage de headshot. Voilà, j'y ai joué ce matin. Alors c'est pas le compte que j'avais à l'époque, parce que je sais plus avec quoi je me suis connecté, parce que Facebook du coup bah ça m'a créé un nouveau compte. Je sais plus avec quoi, je sais plus si j'étais un invité ou pas, je sais plus comment je me suis enregistré. Du coup j'ai pas retrouvé mon compte, donc je repars à zéro. Je suis pas du tout un joueur CSGO, j'ai suivi plus ou moins ce que c'est CSGO. Pour ceux qui connaissent pas du coup je vous invite à aller voir du coup sur internet hein, qu'est-ce que CSGO. Je pense que ce sera bien mieux expliqué que moi. Donc il y a tout un système du coup de skins d'armes bien sûr. Il y a tout un système de marché, c'est-à-dire vous pouvez changer les skins, vous pouvez en acheter, vous pouvez en vendre, vous pouvez les mettre à prix, vous pouvez les jouer, c'est-à-dire vous dites je joue ce skin là pour peut-être essayer d'en gagner un autre en échange qui coûte plus cher, toi par exemple, ou un skin que tu préfères. Donc il y a tout un système de skins par rapport à la rareté, par rapport au prix, tu vois, il y en a un, celui-là, oh ouais, ça rigole pas. Donc voilà, il y a tout un système de skins d'armes qui est assez intéressant. Donc voilà, la boutique, là c'est des trucs classiques, hein. C'est la boutique, tu payes, t'as un petit pack opening quoi. Donc les potes, moi je vais essayer de gratter, voir comment je peux faire pour vous présenter un pack opening raisonnable bien sûr. Parce que je peux vous présenter là les Origin Box, Furious Box, Rival Box et Fable Box. C'est pas mon intérêt. Mais voilà, donc ça pourrait me faire plaisir de faire des packs opening ou peut-être que je vais récupérer des récompenses pour le faire, voilà, tout simplement. Il y a des systèmes de clans. Alors j'ai pas créé de clan parce que j'ai pas assez d'argent, voilà, dans le jeu, j'ai pas envie de mettre d'argent pour créer un clan. Donc je vais essayer de trouver un clan et si je trouve un clan du coup je vous inviterai à me rejoindre là-dedans. Mais voilà, donc pour l'instant j'ai pas de clan. Il y a un système d'amis du coup, trouver amis, demande d'amis nana. Et je peux créer un lobby, c'est à dire que si je me trompe pas on pourra faire des tournois sur ce jeu si bien sûr il vous plaît. Ça, normalement c'est possible, normalement je crois que je peux faire hein. Je suis pas sûr mais normalement je pense que je peux faire des tournois via le lobby. Ce qui pourrait être très intéressant et ce qui pourrait m'intéresser également de vous présenter des tournois sur ce jeu. Donc surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu et de me le dire en commentaire si vous êtes intéressé pour des tournois sur ce jeu. Je vais quitter le lobby et bien sûr il y a tout le système de paramètres. On a la version 12.6 F1, voilà, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout personnaliser. Moi j'ai tout en élevé sauf niveau de détail des effets. Moi je vais tout mettre en élevé. Ok voilà, moi vous voyez mes paramètres, je mets tout en élevé. Après en dessous je connais pas trop, je vais enregistrer, oui. Les commandes, vous pouvez, voilà, vous pouvez tout personnaliser jusqu'au son. Donc même l'interface. Donc voilà, c'était pour les paramètres. Donc c'est un jeu type CSGO. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, je vous invite à aller voir des vidéos sur CSGO. Et écoutez, bah nous on part directement en game. On va partir en match à mort. Le truc classique. Ah, j'y avais oublié. Je savais qu'il y avait un truc qui allait vous intéresser. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et bah là ça arrive. Voilà, enfin, j'avais oublié. Une fois que vous avez atteint le niveau 5, vous pouvez participer au mode compétition. C'est-à-dire que c'est un mode où vous allez être classé et après le classement, et ben vous pourrez peut-être participer à des tournois. Et voilà, il y a des tournois sur ce jeu, il y a enfin des tournois mondiaux sur ce jeu. Et moi, ça m'intéresserait du coup de m'investir dans un autre jeu dans ce milieu-là. Donc voilà, donc ça peut être ce jeu. Donc moi, j'essaie d'atteindre le niveau 5 et on verra si... si j'aime et si je veux essayer de faire des tournois. Allez, on part directement en match à mort, bien sûr. Voilà, on est parti sur la map Training Outside. C'est fini. Ok. Le petit échauffement est terminé maintenant. Passe aux choses sérieuses. C'est parti. Ok, parfait. Un kill. Je crois qu'il y en a un là-dedans, c'est sûr. Ça a dû marcher. J'avais dit quoi? Non, je recharge. C'est bon, RI, c'est sous point S. Ok.
Bien sûr, hein, vous pouvez sauter, vous accroupir. Alors, vous voyez pas mes touches parce que mes touches sont en invisible très clairement. Voilà, je vous le dis. Je suis bien sur tablette et mes touches sont en invisible. Bon, c'est pas grave, je repars avec mon arme. Pas sûr de l'avoir eu. Non, c'est parce qu'il me semblait. C'est même pas lui qui me tue. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Bien sûr, vous pouvez switcher d'arme. Ok, je l'ai tué une fois. Il y a combien? 40, 36. C'est quand même serré. Hein. On reste quand même serré. Je pense que je vais augmenter ma sensibilité. Ok, parfait. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ah, toi, par contre. Ok, low snipe, ça fait one shot. T'as du one shot. C'est quoi, je vais me faire un kill au couteau, allez hop, je vais me faire un kiff. Bon, faut juste un qui vienne là. Et franchement, le jeu il est quand même beau, hein. Pas se le cacher. C'était peut-être pas le moment. Si c'est bon, c'est bon. Ça va, les dominer encore. Ouais, je voulais faire le malin. Hein. Il est malade de venir ici. Hein. Il est pris pour qui lui? Non, c'est pas moi. C'est pas moi que tu veux tuer. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai vu trop tard. C'est bon. Aïe 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 aïe. Qui est le fou qui m'a tiré dessus là? C'est toi là? Possible. 77-73, hein, ça reste quand même serré. Ah mais c'est toujours le même cas, faut que je recharge à chaque fois que j'ai fini de faire un kill. Systématiquement. Ça par exemple lui je l'ai eu. Bim, je recharge. Allez hop, je perds pas de temps. Lui aussi je l'ai eu, bim, je recharge, je perds pas le temps. Ah ouais, ouais c'est bon. Ok, là je recharge, parfait. Il est fou celui-là. Oh ouais, snipe. Non, même pas un snipe. En vrai, je pourrais tellement changer d'arme, mais j'aime tellement cette arme en vrai. Et... Du coup, il est toujours là lui. Ok, 105. Ah! Et je suis le meilleur joueur avec le plus de kills! 42 kills! Oh là là, oh là là! Ah, par contre, le premier de leur équipe aussi, hein, 30 kills en face! Hein. Ah là 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 là! Bon, les potes, cette game elle était quand même. Ouh. Moi j'en ai fait quand même 10 kills. Hein. J'espère qu'au montage j'ai assuré parce que là, franchement, j'ai assuré grave. En plus, le pire c'est que j'y ai joué que ce matin quoi. J'y avais pas joué encore avant. Allez, je vais quitter le lobby. Donc voilà, il y a le match à mort. Il y a les deux, il y a les autres modes aussi également. Mais en vérité, si vous voulez juste jouer,
Le match à mort, je pense, suffit. Après, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à faire les autres maths, bien sûr, hein, parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Enfin, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, ça me fait plaisir, du coup, de se rejoindre à ce jeu. Je trouve que, voilà, graphiquement, il est très beau. Et voilà, donc, si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je pense que je le serai. Hein. Et puis, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Stand Up 2 ou bien d'autres jeux mobiles. Également. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée, je sais toujours pas. Pourquoi je dis ça, c'était Psytrag. Bye bye.